Stocker de l'énergie pour alimenter l'éclairage public, c'est le pari fou que s'est lancé une société spécialisée dans l'infrastructure routière en réalisant un système composé de dalles solaires. Son nom, Wattway. Actuellement en période de développement, Wattway a investi nos routes et c'est dans le quartier de Fontvieille que le produit est actuellement en phase d'expérimentation. Wattway est une solution de production d'énergie locale. Elle a l'avantage de s'inscrire parfaitement dans un paysage, notamment la route aujourd'hui qui est un foncier déjà existant. Et c'est une solution du coup qui va venir alimenter une application à proximité. Dans ce cadre-là, l'énergie produite est renvoyée directement dans le réseau. Mais on peut imaginer aujourd'hui que Wattway demain va aller alimenter des candélabres. On va être capable de stocker l'énergie pour la journée, pour la nuit, aller alimenter de l'éclairage public. Stocker l'énergie pour aller alimenter par exemple une voiture électrique, etc. Présentées sous forme de dalles fines qui viennent encapsuler des cellules photovoltaïques extrêmement fragiles, préservées grâce à un millefeuille de matériaux, ce produit est ensuite placé sur la route. Assez translucide pour laisser passer la lumière et assez résistant pour supporter le passage de véhicules lourds comme les camions, Wattway présente de nombreux avantages. L'avantage, c'est d'une part d'essayer ce que nous propose la Colas au niveau de la résistance routière, mais ensuite de l'installer dans un milieu urbain, de façon à le tester en optimum pour nous. Parce qu'évidemment, le mettre en plein soleil, ça, on pense que ça marchera, mais là, en milieu urbain, on veut surtout voir avec les ombres portées, les passages de véhicules, la fréquentation au milieu des passages de motos, de camions, tout ce que ça peut entraîner au niveau de la résistance. Alors on est sur Fontvieille parce que tout simplement au niveau du chapiteau de la Roseraie, nous avons créé un éco-quartier pour tester beaucoup de tout ce qu'on peut nous proposer en matière d'énergie renouvelable et simplement pour voir ce que ça donne et pour pouvoir éventuellement l'apporter ailleurs sur Monaco. Fontvieille, un éco-quartier qui renferme bien des trésors, comme la Smart Flower, qui, elle, suit le soleil toute la journée pour emmagasiner ses rayons grâce à sa surface composée de cellules photovoltaïques optimales. C'est quand le soleil passe, vous chargez, vous rechargez des batteries derrière, vous alimentez ensuite les batteries qui vont stocker l'énergie et cette énergie sera réinjectée pour alimenter une partie de l'éclairage public aussi de la Roseraie. Donc on est en parallèle avec la Wattway, de part et d'autre, on a des alimentations en énergie renouvelable. Stocker de l'énergie pour alimenter les éclairages publics, tel est l'objectif que s'est donné la principauté de Monaco. Le gouvernement princier espère dans les années à venir généraliser à l'ensemble du territoire les différentes expériences menées à Fontvieille.